Bonjour, bonjour à tous. Encore une petite vidéo d'un colis que j'ai reçu. Hein. J'ai déjà ouvert. Voilà, je l'avais rangé, quoi. Pour vous montrer, il y a encore de la boîte, c'est tout neuf. Hein. Voilà, c'est mon deuxième convertisseur que j'avais acheté sur le site Cdiscount, quoi. Et l'autre convertisseur, il a donné des problèmes. Hein. Et il faisait trop de bruit, quoi. Et, bon, il a chauffé, je sais pas pourquoi, quoi. Peut-être qu'il y avait un défaut, obligé d'avoir un défaut. Bon, voilà, bah, à fin de quelques temps, quelques messages envoyés au vendeur et tout ça, quoi. Le vendeur, il m'a dit, vous m'envoyez le produit qui est en panne, quoi. Et moi, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et après, encore quelques messages, quoi. Je lui dis, bon, écoutez, moi, j'ai fait des vidéos avec le bruit qui est de l'appareil en marche et tout ça. Et je l'ai envoyé des vidéos. Il m'a dit que chez eux, ils n'arrivaient pas à voir les vidéos. J'ai envoyé tout ça par mail. Bah, on est arrivé à la fin de tout ça, de tous les messages et tout ça, quoi. L'option, c'était de mettre le vieux appareil dans la même boîte, quoi. Il l'a envoyé derrière. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai envoyé derrière avec une clé USB, avec les vidéos dedans, l'appareil en route, avec le bruit qu'il faisait. Et le vendeur, il m'a envoyé, voilà, un tout neuf. Il m'a envoyé un tout neuf, quoi. Avec les câbles, les petites machins pour visser après derrière, les pinces. Et ce que moi j'ai vu par rapport au l'autre appareil, c'est que celui-là, ça me donne l'impression quoi qu'il est plus haut, je pense. Il est plus haut. Peut-être je peux me tromper, quoi. Mais c'est l'impression que j'ai. Par contre, ce qu'il est, il est différent de l'autre, c'est ici, quoi. Voilà, moi ici j'ai le bouton on off. Ici il y a une prise, je sais pas pourquoi. C'est cette prise. Et il y a cette prise là. C'est une prise quoi de du USA quoi. Hein? Une prise américaine qu'il faut acheter quoi, l'adaptateur qui va dessus quoi. Et après ici quoi, j'ai une blanche et une verte. Et dans l'autre appareil j'en avais deux verts. De petites LED vert dessus quoi. Hein? Normalement celui-là ici quoi, il reste en vert. Après l'autre il s'allume en rouge normalement quand il est très chaud et tout ça, ou quand il y a pas assez de charge dans les batteries quoi. Il se coupe automatiquement. Bon. Ici, je sais pas, peut-être ça va être une prise qui branche ici, quoi, pour brancher sur un ordinateur, quoi, pour faire quelques réglages. Je le sais pas. Par contre, là, voilà, il est neuf. Et comme j'ai vu qu'il fallait un adaptateur, voilà, il est là. Je suis allé chez Leclerc, quoi. Il y avait les petits adaptateurs là, comme ça. En plus, c'est bien. Il y a un fusible dedans, ici. Quand ça saute quoi que ce soit quoi, il y a le petit fusible qu'on peut toujours changer, hein. Et voilà, bah, elle est rentre impeccable dedans. Et voilà, elle est prête quoi, elle est prête à monter dans le camion. Je vais tout préparer, hein. Et je vais monter ça quoi dans le camion pour voir qu'est-ce que ça va donner, le bruit qu'il va faire. Voilà. Préparer tout, ranger les, agrandir les câbles, le plus le moins, et y installer tout. Allez les amis, le vendeur, c'était un bon vendeur, hein. Bah, il m'a envoyé un autre tout de suite. Voilà. Allez, à la prochaine. Voilà. Comme il travaille. Et là, c'est mon micro-ondes qui est à toute puissance, hein, qui est en train de travailler quoi. Andy, en train de chauffer j'ai mis en plein à chauffer dedans quoi. Et ça marche nickel.
Par contre, il n'y a que le micro-ondes. C'est un truc 2-3 minutes hein, qui va chauffer, quoi. Mais ça marche impeccable. 11 volts et quelques. 11 volts 7, 11 volts 8. Après, quand ça va s'arrêter, quoi, ça va monter tout de suite. Mais là, ça marche nickel pour le moment. Et là, c'est les bruits des ventilateurs qu'on entend là. Voilà. Ça marche bien. Une chose à chaque fois, hein, le micro-ondes ou le frigo, quoi, mais une chose à chaque fois, quoi. Pas tout en même temps. Et là, aucun bruit. Impeccable. Voilà. Le micro-ondes s'arrêtait, ça montait à 12,2 volts, 225. Là-haut, 12,3 volts. J'ai encore 3 traits de batterie, quoi. C'est bon, ça suffit. Hein. Demain, ça charge. Après, ça monte à 14 volts. C'est bon. Voilà, impeccable. Bonjour, bonjour. Voilà l'appareil. Hein, branché. Et regardez le bruit qu'il fait. volts 9, 12 volts qu'il y a. Et la seule chose qui est branchée dessus, quoi, c'est mon ordinateur. En train de charger mon ordi. Et il fait le bruit là. C'est pas normal. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas normal, hein. Entendre les ventilos, oui, mais le gris, le bruit là qui s'agrisit, quoi. Pourtant, il est pas chaud. Et quand même pas mal de bruit. Il travaille, hein, mais fait trop de bruit. Je pense que c'est pas normal. Voilà. Un truc qu'il n'y a même pas, quoi. Il y a quelque chose qui est branché dessus, mais c'est même. C'est pas. C'est rien du tout, c'est branché dessus. Hein. Hein. Normalement, il fait 2000 watts, même si c'est que 1600 watts, mais moi, j'ai même pas 1600 watts. La chose plus forte que j'ai chez moi, ici, c'est le micro-ondes, c'est 800 watts. Et il est arrêté en plus. Regardez. Et le micro-ondes, il est arrêté. Et je fais fonctionner seulement ce petit frigo. Rien du tout. Il n'y a même pas de congélateur, c'est seulement frigo. Rien du tout. Et voilà. Et là, il fait ce bruit. C'est vraiment derrière. Bon, si c'était le ventilo, bah, c'est normal. Hein, voilà. Hein. Mais le bruit là. Voilà.